13 ans, c'est le temps qu'il aura fallu à la population de la sous-préfecture de Nézobli, dans le département de Tout-le-Pleu, pour avoir son sous-préfet. Touman Loukou Hyacinthe, le tout nouveau chef de la circonscription administrative de cette localité, a été présenté à la population par le ministre de tutelle, Vagondo Diomandé. La ministre Anne-Désirée Ouloto, fille du village, a rendu un vibrant hommage au président de la République. Ça fait 13 ans que nous attendons l'ouverture de notre préfecture. Je ne peux pas parler de l'ouverture sans parler de la création. Et de tous les efforts consentis par nos aînés et nos doyens pour que cette sous-préfecture voie le jour, grâce aux efforts de tous nos parents. Et je voudrais m'associer au remerciement de l'avocat général pour que vous puissiez transmettre au président de la République mes sincères remerciements pour avoir encore une fois prêté une oreille attentive à mes préoccupations. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, c'est une fierté de voir les cadres main dans la main pour parler développement comme le souhaite le président de la République. Soyons attachés les uns aux autres, mais restons attachés à nos valeurs de fraternité, nos valeurs de solidarité, nos valeurs de cohésion. Ce sont ces valeurs-là qui feront avancer notre pays. Et c'est ce chemin-là que son excellence, monsieur le président de la Nation Ouattara, nous montre. Et nous devons le suivre. Suivons son exemple. Parce qu'il se sacrifie pour le pays. À notre tour, ce qu'il nous a demandé, c'est de faire des sacrifices pour nos parents, c'est de faire des sacrifices pour nos terres. Il faut noter que l'administrateur installé bénéficie de toutes les commodités pour travailler dans de bonnes conditions.